Il est 8h et comme vous le voyez, ce 8h est encore en train de faire la sieste. Car en effet, dans quelques heures, il va devoir affronter des pentes de près de 40%. Cet ensemble que vous avez derrière moi, il vous paraît peut-être banal, mais sous vos yeux, vous avez en fait la médaille d'or d'Agri Technica, gagnée en 2019 par John Deere et Josquin. Cette innovation, elle est incroyable et je vous laisse découvrir ça maintenant. Bonjour Alexandre, je suis très heureux de t'accueillir ici en Bourgogne-Franche-Comté, plus particulièrement dans le département du Doubs. Nous sommes donc ici au Gaec de l'Aurore à Runier, une exploitation donc en AOC Comté avec des vaches montbéliardes qui produit 960 000 litres de lait et nous allons vous présenter un système d'épandage assez innovant dans cette ferme où il est produit notamment du digesta grâce à la méthanisation. Et c'est donc ici, à 1000 mètres d'altitude, que nous allons pouvoir tester ce magnifique ensemble pour voir les capacités de franchissement de celui-ci. Alors ce 8R410, il est aujourd'hui équipé d'une transmission autopower, mais pas n'importe quelle transmission autopower, c'est une e-autopower. Pourquoi e-autopower? C'est le i de en fait électrique. On est venu donc remplacer sur cette transmission toute la partie variation continue qui est habituellement hydraulique par des composants électriques. Donc on va retrouver une génératrice électrique et un moteur électrique. Ce qui permet du coup d'avoir une transmission beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus efficace, et également des entretiens diminués étant donné qu'on est sur des moteurs avec des moteurs sans balai type brushless. Ensuite, donc, la particularité de cet ensemble, c'est qu'on va pouvoir donc délivrer de la puissance électrique à un outil qui va être derrière. Et donc là, ici, on est capable de sortir donc, jusqu'à 100 kW de puissance sur une tension de 480 volts en triphasé. Donc vous le verrez sur l'équipement, sur la tonalisée, on a un gros câble orange qui permet justement de faire cette passation de puissance. L'intérêt, cette puissance justement elle va venir se déclencher en fonction du taux de patinage du tracteur, c'est-à-dire quand le tracteur va trop patiner, on va pouvoir définir en cabine le seuil de déclenchement justement de cette aide, de cette assistance, et l'assistance va justement permettre donc de pousser l'outil, d'avoir un essieu moteur sur l'outil, sur la tonalisée, pour justement pouvoir donc améliorer la traction et diminuer l'effort demandé sur le tracteur. C'est une tonne très standard, dessus on a uniquement rajouté le système e-drive en collaboration avec John Deere, pour donc le système pont moteur qui est alimenté par la génératrice John Deere. Elle alimente les ponts moteurs des deux essieux arrière pour fournir de la puissance et permettre de monter des pentes très importantes. C'est un développement commun Josquin-John Deere, la seule médaille d'or à Agri Technica 2019. Cédric Lancia, associé au GEC de l'Aurore à Runy. Moi, je m'occupe de la partie tout ce qui est conduite des engins dans les champs. On a un tracteur avec une tonne Josquin aussi en pendior, mais on n'a pas de système électrique pour aider la cuve pour monter dans les fortes pentes. C'est vrai que notre parcellaire est principalement dans les pentes. C'est pour ça qu'on a laissé cette machine-là et c'est vrai que les premiers essais qu'on fait là sont plutôt très concluants. On a essayé sans et avec et la différence est flagrante. Et là, aujourd'hui, on a réussi à faire notre challenge, c'était de réussir à remonter des pentes de plus de 40% avec l'outil et tout en épandant. Et c'est vrai que là, on est bluffé au niveau du système, ça marche super bien.
c'est très réactif. Là, on arrive à monter des pentes à plus de 40% que d'habitude on ne peut pas faire avec notre matériel qu'on a chez nous à l'année, quoi. Et c'est vrai que très bon ressenti là-dessus et je suis plutôt impressionné au niveau de cette installation sur la queue. Là, ils ont fait un beau boulot. Alors les avantages de cet équipement, ça va être du coup pouvoir gagner en productivité, étant donné que je vais moins patiner donc, sur mon tracteur et sur mon ensemble donc, pour gagner en productivité, en efficacité, indirectement également aussi en consommation de carburant, en usure des pneumatiques. Et aussi ça permet d'améliorer donc, le guidage lorsque le tracteur est équipé de guidage. Lorsque justement l'équipement va être motorisé, on aura un bien meilleur suivi justement de l'équipement grâce justement à cette assistance électrique qui se débloquera sur l'équipement.